Maurice Sauveau, ancien ministre d'État, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À l'esprit. Voici ce qui nous inspire quand on parle de Guillaume Kibafoui Soro l'homme, que je vous demande d'ovationner ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers amis. Je vous demande d'ovationner très fort. Je répète très fort, Madame Diarra Souba. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? La présidente du comité d'organisation, Madame Diarra Souba. Oui, Excellence, la diaspora ivoirienne et africaine vous considère comme un des leaders les plus influents et charismatiques du continent. Vous êtes pour de nombreux citoyens l'espoir d'un avenir meilleur. Prêcheurs et prêcheuses, mesdames et messieurs, j'ai fait 50 jours dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai sillonné des villages. J'ai sillonné exactement 113 villages. Les villages que j'ai sillonnés, j'ai essayé de faire comprendre aux Ivoiriens qu'il faut changer la mentalité. Il faut changer de mentalité parce que je refuse d'être avec ces hommes politiques qui continuent de penser que la dignité de tout un chacun est achetable. Ces gens qui pensent qu'avec, il ne suffit que d'avoir de l'argent, du pouvoir, de la puissance pour acheter les individus. Moi, on ne m'achète pas avec un poste. Et c'est ça. Le GoFundMe, le fait que vous ayez chacun individuellement pris de votre temps, votre carte bancaire pour donner 10 euros, moi, le message que ça m'envoie, c'est que j'ai affaire à des femmes et à des hommes convaincus. Des femmes et des hommes convaincus. Sinon, l'argent que vous avez donné dans le GoFundMe, il est encore là, il n'a pas été touché. On peut vous le rembourser. Et pourtant, nous avons financé. Mais nous voulons que les Ivoiriens apprennent à faire la politique autrement. Et que nous ne soyons pas vu comme du bétail électoral. C'est pourquoi j'ai fait ce crush et j'ai demandé qu'on participe pour montrer aux gens à Abidjan que nous, la nouvelle politique que nous voulons faire, on n'a pas besoin de nous acheter. On n'a pas besoin de nous amadouer avec des billets de 500 euros. Mais c'est nous qui allons faire le chemin inverse. Nous allons donner 10 euros pour dire à Guillaume, nous sommes avec lui et que nous allons travailler avec lui pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais c'est au-delà de cela. Parce que quand vous donnez les 10 euros, vous m'imposez une lourde responsabilité, celle de gérer vos 10 euros dans la transparence absolue.
parce que je ne suis pas propriétaire de vos 10 euros. C'est vous qui êtes propriétaire de vos 10 euros. Et je dois vous rendre compte dans la limpidité, dans la transparence. Si on veut que l'Afrique change, si on veut que l'Afrique change, si on veut que les dirigeants soient responsables de nos deniers publics, il faut déjà commencer par là. Parce que vous croyez que c'est anodin, ce n'est pas anodin. Parce que tous ceux qui sont ici, qui ont donné leurs 10 euros, mais ils sont en train de me dire, avec fierté et dignité, « Monsieur Soro, on n'a pas besoin de votre argent. » Monsieur Soro, nous sommes assis devant vous parce que les idées que vous défendez rencontrent notre adhésion. N'êtes-vous pas fiers de cela? Les dirigeants de demain, les dirigeants africains de demain, doivent changer la mentalité. Ça commence par là. Barack Obama, c'est ça. Nous tous là, nous avons contribué 10 euros, 5 euros, partout où nous étions. Partout où nous étions, pour financer sa campagne. Et pourtant, Barack Obama ne nous a pas demandé ça à Abidjan. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter, parce que nous avons dépassé largement les 10 000 euros en l'espace d'une semaine. Et ça, et vous voyez... J'ai à ma gauche ces dames qui ont contribué de façon significative à la réussite, n'est-ce pas, de l'opération du GoFund. Je voulais qu'on les salue. Le fundraising que nous avons organisé, est-ce qu'on peut me dire à combien les uns et les autres ont cotisé? Nous sommes à combien? Non, ça a monté un peu. Donc, cet argent, Madame la Présidente, je vais vous confier cette somme. Je veux, vous de la diaspora, vous savez, vous pouvez faire grand et beaucoup de choses. C'est combien? 11 531 euros. Si, je voudrais vous féliciter pour cette somme. Madame la Présidente, envoyez de l'argent au pays. Il y a des orphelins qui n'ont pas à manger. Je suis allé dans des villages qui n'ont rien. Je suis sûr qu'avec cet argent, vous pourrez aider beaucoup de nos compatriotes. C'est pourquoi je veux que vous sachiez que les 10 francs, les 10 euros que vous avez mis dans ce GoFund n'iront pas dans la poche de Madame la Présidente, n'iront pas dans ma poche. Ou bien je ne vais pas me faire rembourser. Je veux que vous preniez cet argent et que vous l'utilisez utilement pour les populations ivoiriennes. Ils le méritent. Mais à partir de 2015, soyons honnêtes, les discours sont là. J'ai été celui qui a commencé à dire qu'il fallait que les Ivoiriens se réconcilient d'abord. Et en 2013, j'ai dit que tant que les Ivoiriens n'accepteront pas de se considérer comme des frères et des sœurs, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix durable. Et au nom de la réconciliation, je me suis levé, je suis allé à Gagnoua. Oui, je suis allé à Gagnoua. J'ai commencé à sillonner la Côte d'Ivoire pour demander pardon aux Ivoiriens. Et proclamer, professer la réconciliation. Les gens m'ont dit, mais Guillaume, pourquoi tu demandes pardon? Est-ce que c'est... Oui, mais les autres nous ont tués aussi. J'ai dit non, non.
Je demande pardon, pas parce que je suis le plus fautif. Non. Je demande pardon parce que le pardon guérit. Parce que nous n'allons pas continuer. Voici Madame Camara H qui est assise ici. Son époux a été assassiné. Mais si nous ne sommes pas capables de nous mettre au-dessus de nos sentiments pour pardonner, ce n'est pas à l'autre qu'on fait du tort, c'est à nous-mêmes qu'on fait du tort. Non, et je vais vous dire que je vais assumer mes responsabilités. Hein. J'ai 47 ans révolus. Je ne serai sous la tutelle de personne. Je reprends. J'ai 47 ans révolus. Parce que j'entends certains qui disent non, il faut venir dans la maison du père. Un enfant qui reste dans la maison de son père à 47 ans, c'est un vaurien. Tout de même. Soyons sérieux. Hein? C'est pas sérieux. À 47 ans, tu es assis dans la maison de ton papa en train de manger la nourriture de ton papa et puis tu es fier de ça. Oufuor Boyi, il a créé le RDA quand il avait 41 ans. Barack Obama a été élu président des États-Unis, il avait 47 ans. Laurent Gbagbo lui-même, il a été candidat face à Oufuor Boyi. Il avait 45 ans. Moi, j'ai 47 ans et je dois aller demander permission à quelqu'un pour être candidat en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Je dis bien que j'ai 47 ans révolus et j'entends assumer ma responsabilité. Donc, je ne serai sous la tutelle de personne. J'assumerai mon destin et j'irai dans le sens de ce que les Ivoiriens auront décidé. Car, en définitive, en démocratie, seul le peuple décide. Je suis Simon Aipo, je suis le conseiller juridique de Racé Suisse, Soro Guillaume. En l'écoutant, religieusement, je suis convaincu, je rentre en Suisse en paix et je sais que j'ai un leader charismatique. Il m'a convaincu et il a convaincu les membres qui sont avec nous. Il mourra avec lui et je suis prêt, même s'il faut dépenser mon énergie, ma force, pour qu'il puisse accéder à la magistrature suprême, je le ferai. Donc moi c'est Obé Amani, je suis militant du PDC-RDA. Je suis venu assister à la crush party du président Soro, du président du comité politique. Oui, il a dit une très belle parole, c'est de faire la politique autrement. Je pense que c'est plus qu'une nécessité pour notre pays. Faire la politique autrement, gérer les affaires de l'État, la situation du pays autrement que ce qu'on voit de nos jours. Et ça, j'ai trouvé que c'est... Vraiment, je pars avec ça comme ma pépite d'or. Voilà. Respecter les citoyens, respecter les lois du pays, respecter les règles d'unité de la nation, c'est cela, faire la politique autrement. Je suis Madame Tosio, donc épouse de Wolf. Je suis présidente de l'association des soroïstes de Nantes, l'eau atlantique. Et je suis guérée de Diokwe. Donc depuis 2013, je me suis engagée auprès du président du PCP dans le processus du pardon et de la réconciliation. Je pense que tous ceux qui sont venus repartent avec un message fort qui est le message de la réconciliation et du pardon. Do Sébastien, délégué de Côte d'Ivoire Debout dans la région PACA. Tous ces messages qu'il a depuis fort longtemps, tout ce que Soro disait, je suis d'accord avec lui, parce que c'est le premier gars depuis la crise de la Côte d'Ivoire. Il s'est levé, il a commencé à demander pardon. Déjà, c'est un acte très fort qu'il a posé. Demander pardon, c'est on a vu Rwanda. Rwanda, il y a eu des génocides, mais ils sont réconciliés avec le pardon. On peut pardonner, on peut ne pas oublier, mais on peut pardonner et puis vivre ensemble. En tout cas, c'est ce qu'il fait
et c'est ce qui m'intéresse. Et je lutte pour que Soro parte en Côte d'Ivoire pour prendre le pays, les élections 2020, pour qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire. Et même, je suis partant pour faire sa campagne dans le Guémon. Moi, je suis Sanogo Adama, étudiant à l'Université de Créteil. Après donc, son allocution, j'ai constaté un fait qui m'a touché énormément. C'est-à-dire que le président Guillaume Soro ne parle pas de sa personne. Parlant de sa personne, il a déjà développé cela vis-à-vis des Ivoiriens. Il parle en fait comment est-ce que les Ivoiriens vont s'assembler ensemble et aller de l'avant. Et je pense qu'avec Guillaume Soro, l'avenir sera prometteur, comme il a dit, et nous avons confiance en sa politique et à son idéologie. Léadi Vinagnon Soglo, président de la Renaissance du Bénin, ancien maire de Cotonou. Écoutez, c'est toujours intéressant de rencontrer ce qui se fait ailleurs, et notamment en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était important de voir le président Guillaume Soro, de l'écouter, pour, disons, avoir une idée plus précise sur sa vision et sur comment il comptait s'y prendre pour accéder à la magistrature suprême. Justement, vous l'avez écouté, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a capté votre attention ? Il y a trois choses qui m'ont profondément marqué. D'abord, c'est cette grande convivialité dont il fait montre, dont il fait preuve. Hein, il est très proche des militants, des sympathisants, de son auditoire. Il utilise un français facile, qui est compréhensible à tous, et il réussit à, disons, aborder des concepts complexes de façon extrêmement accessible. La deuxième chose, c'est son engagement citoyen. On sent véritablement, comme il l'a dit, qu'il sait là où il va et il sait comment s'y prendre pour atteindre ses objectifs. Et la troisième chose, c'est cette grande humilité dont il fait preuve, puisqu'il parle tout le temps de réconciliation, de paix. Donc je crois que ça a été, en tout cas pour moi, extrêmement intéressant. Et nous allons nous inspirer effectivement de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. C'est un appel à la nouvelle génération, c'est bien cela? Je crois qu'effectivement, la nouvelle génération des politiques doivent se donner la main, doivent se rencontrer, doivent échanger et doivent voir comment on peut construire effectivement cette grande et belle Afrique que nous souhaitons tous. Vous savez, j'ai eu le temps de parcourir l'histoire de l'homme. À 25 ans déjà, il avait un courage politique. Il était constant dans ses engagements politiques depuis son jeune âge. Et j'ai vu qu'en 1998, il avait dit sur l'une des grandes chaînes de télévision que lui, son combat, c'était de lutter contre l'égoïsme, c'était de pouvoir lutter pour la jeunesse, pour le bien de la jeunesse. Et il est constant dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a dit deux phrases capitales qui m'ont convaincu. Il dit qu'il préfère le bien de son peuple que des postes de responsabilité qui sont éphémères. Il a fait l'allusion un peu aux chefs d'État qui respirent le pouvoir, mais qui oublient qu'ils peuvent être demain esclaves de ce pouvoir. Il a préféré choisir le côté du peuple. Et ça, c'est une vision que j'adhère. Et ça, je vous assure, je prendrai mon bâton de pèlerin pour évangéliser ce message fort qu'il vient de nous laisser aujourd'hui. Je suis convaincu, j'ai en face de moi un leader charismatique qui peut nous amener très loin. Voilà, je suis M. Camara Daouda, je suis vice-président du mouvement des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. Tout à fait, comme on l'a toujours dit, que Guillaume Soro aujourd'hui n'est plus pour lui-même, il n'est plus Guillaume Soro en tant que tel, il est devenu une idée, une légitimité d'idée. Donc le message qu'il est en train de prôner, c'est un message de paix et d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Oui, je le soutiens dans la mesure où je suis déjà un de ses compagnons de lutte, donc témoin de la lutte politique qu'il a menée pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Donc grâce à lui, le combat de la carte nationale d'identité a été mené en Côte d'Ivoire. Donc le nouveau combat qui reste maintenant à être mené, c'est d'abord la réconciliation des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, parce que nous pensons que après ce que nous avons constaté depuis l'indépendance, vous savez que notre pays est tiraillé entre les pros, et particulièrement qui est le fait des enfants nés avant l'indépendance. Et nous pensons que Guillaume Soro aujourd'hui s'est identifié en tant que fils né dans la Côte d'Ivoire et né après l'indépendance.
Donc c'est un espoir qui est lancé à toute la nouvelle génération, à toute la Côte d'Ivoire, rassemblée autour d'un idéal de paix et de démocratie. Donc nous pensons que 2020 doit sonner le glas, non seulement de la mobilisation, mais d'une alternance générationnelle. Ce que nous rêvons en Côte d'Ivoire, c'est que nous voulons la transmission du pouvoir pacifiquement en Côte d'Ivoire, d'un président librement élu à un président, à un autre président librement élu, qui va être véritablement un changement politique majeur dans la vie politique de notre pays. Parce que notre pays aujourd'hui a besoin de se retrouver. Nous avons besoin que l'ensemble des Ivoiriens se retrouvent autour d'un idéal pour bâtir le navire ivoire. La démocratie. Ne laissez pas les gens, quand ils veulent dire quelque chose, on les empêche. C'est ce qui a permis, en fait, c'est cette situation qui a fait que Yenou Kobina il a créé le RDR, parce qu'on lui avait, on l'avait empêché de parler au moment où il était au PDCI. Et ça a poussé Yenou à créer le RDR. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui au RDR, qui sont au RHDP aujourd'hui, pourquoi ils se sont énervés? Parce qu'on les empêchait de s'exprimer. Maintenant que vous arrivez au pouvoir, je pense que vous devez quand même regarder dans le rétroviseur. Vous dites, ah tiens, voilà ce qui nous avait poussé en son temps à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on ne doit pas permettre aux autres de partir. Il faut aller à l'unisson. Donc je me nomme Abel Naki, donc président fondateur du CRI panafricain, parti politique ivoirien. Voilà. Le président Soro a été la seule personnalité impliquée dans la crise post-électorale à demander ouvertement pardon aux Ivoiriens. Il va même plus loin et il nous dit qu'il ira jusqu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc chez les Ouais, pour demander pardon à ses parents. Il n'y a que le pardon qui peut amener des peuples qui sont en dispute de pouvoir se remettre ensemble. Le pardon est une force qui libère. Et moi, face au pardon, il n'y a plus d'autre chose derrière. Et pour moi, c'est ce qui m'a touché. C'est ce qui m'a profondément touché. Et il n'y a que le pardon qui peut libérer les cœurs pour que les Ivoiriens puissent revivre ensemble. Bonjour, bonsoir, je suis le délégué général M. Basile Yaon, délégué du PDCI RDA Paris-Île-de-France. Ce qui motive notre présence, c'est d'abord de dire que les Ivoiriens ont compris la nécessité de se rassembler. Je voudrais donc saluer le président, son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Je voudrais le saluer encore parce qu'il est le fils du président Henri Konan Bédié. Il a acquis beaucoup d'expérience au fil du temps et il a mûri. Ce que nous avions constaté, le constat que nous avions fait, c'est qu'il a mûri et il est prêt pour l'avenir. En un mot, c'est ce que nous pouvons dire. Je pense que une part de la jeunesse se retrouve en lui, non connu que lui, donc espère en lui. Donc nous au PDC, nous ne pouvons que le féliciter, l'encourager. Voilà. Et en tant que fils du président Bédié, et en tant que représentant du président Bédié, nous ne pouvons que lui apporter nos bénédictions. Bonjour, je suis Ouattara Blaye, je suis le coordinateur général de la jeunesse Soro Guillaume. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui dans la 4e édition du Cruise Party Soro. C'est une lucarne pour nous, nos jeunes étudiants, jeunes travailleurs, avec le leader générationnel Guillaume Soro, de pouvoir communier. Et cet instant, nous voyons, on l'adore. On le répète, la jeunesse Soro Guillaume aujourd'hui est dévouée pour la cause Guillaume Kibafori Soro. Pour les élections de 2020, elle est vraiment à pied d'œuvre pour mobiliser le maximum de personnes pour que notre leader Guillaume Kibafori Soro soit au soir du octobre 2020 le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc pour ce faire, on mettra tout en place, toute notre énergie à booster, à aller voir des Ivoiriens, à les convaincre pour qu'ils puissent épouser l'idéologie de Guillaume Kibafori Soro. Comme il l'a dit, il n'est plus jeune, il a 47 ans révolu, mais nous, on considère que c'est la nouvelle génération. On lui dévoue toute confiance pour qu'il puisse vraiment sortir la Côte d'Ivoire de l'éthargie, de la corruption dont elle fasse aujourd'hui. Je m'appelle Armand Guébaye. Je suis dans le mouvement de Soro Guillaume, MDI. Vous savez, on ne peut pas, tu vois, quand tu dis la vérité, on pense que tu dis n'importe quoi. C'est que Soro dit la vérité. C'est la vérité qu'il est en train de dire. C'est la vérité pour la jeunesse. Il faut qu'on ait le poids de le soutenir pour aider la jeunesse. Voilà. C'est un jeune. Donc il pense à la jeunesse.
c'est à nous de voir. On a besoin de lui. Chérif Moussa, voilà, je suis secrétaire général à la formation politique et à la communication du MDI, qui est le mouvement des démocrates ivoiriens. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le président Soro Kibafori Guillaume et sur tout son discours, voilà, j'ai retenu beaucoup de choses. Et la chose principale que j'ai d'abord retenue, c'est que son discours, il est fédérateur, son discours, il est rassembleur, parce que nul ne peut se voiler la face aujourd'hui que la réconciliation en Côte d'Ivoire n'est pas totalement effective. Et voilà, son message qui va dans le sens du pardon, son message qui va dans le sens de la réconciliation, je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin et c'est ce qui a beaucoup captivé mon attention dans son discours. Je suis Madame Solange Sopoudé, déléguée PAD France pour la République et la démocratie. C'est le parti politique de l'honorable Dominique Adjei ce soir. Déjà, c'est un message qui était apaisant. Voilà, et le ton était là, était au rendez-vous. Et pour moi, ce qui m'a capté, c'est surtout les élections 2020 que le président Soro Guillaume veut voir se dérouler dans la transparence. Et ça, pour nous, c'est un élément assez important en tant que parti politique. Il faut que la CEI soit réformée et ce côté-là, franchement, ça nous a touchés. Nous avons déjà traversé une période difficile en Côte d'Ivoire et nous pensons qu'il est important aujourd'hui que nous allons à des élections apaisées, justes et vraies en Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a aussi attiré, c'est surtout l'union de l'opposition. L'ensemble des partis politiques opposés au RHDP constitue une force majeure en Côte d'Ivoire. Et je pense que le président Soro Guillaume l'a bien compris. Et aujourd'hui, il tend la main à toute la Côte d'Ivoire, il parle de réconciliation. Pour moi, c'est capital. C'est le message qui touche et qui reste en fait. Il faut que nous allions à la réconciliation et c'est le seul gage pour que nous puissions justement aller aux élections et penser au développement. Oui, je suis Madame Bansasita. Je suis venue au cruche de Soro, là, mon fils. Comme j'étais de passage à Paris, je suis venue pour des soins et puis j'ai appris qu'il y avait le cruche. Je suis venue. Soro, c'est mon fils, c'est mon idole et puis je l'aime beaucoup. Oui, oui, souvent, surtout la réconciliation hein, des Ivoiriens. Soro, il tient. Donc, il faudrait que tous les Ivoiriens sachent que Soro, vraiment, il est sincère quand il parle de ça. Donc, moi, je suis convaincue que, vraiment, il veut la réconciliation. Il la veut. Moi, c'est Poutine Fidèle, cyberactiviste et en même temps aussi secrétaire adjoint à la communication du RACI France. Et ce qui m'a plus encore impressionné, c'est lorsqu'il s'est adressé directement à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et aussi, quand il a... l'action qu'il a posée en fonction des fonds qui ont été récoltés. Voilà. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il pose de telles actions pour donner cela aux orphelins, disons, aux personnes démunies en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, disons, des gouvernants dans notre pays, surtout dans notre Afrique, qui aujourd'hui rendent encore les plus pauvres et les plus riches s'enrichissent. Alors aujourd'hui, je pense que Guillaume Soro, pour moi, est venu pour effacer cette dichotomie aujourd'hui qui existe dans notre société. Et personnellement, en tant que cyberactiviste, aujourd'hui, j'ai une forte conviction et je crois encore plus en lui que Guillaume Soro pourra aujourd'hui apporter le changement tant attendu, voilà, chez nous en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce message que je peux dire. Nous, on attend que Soro il est à Paris, dis-lui, viens nous voir. Si tu es à Paris, façon on est à gauche de toi. Quand on dit on est à gauche de toi, ça veut dire longtemps on a ton gourmet, on voulait te voir dedans. Joli Toto, joli garçon, tu es notre joli guerrier. En tout cas, il faut savoir que tu viens de loin, oh, mais nous on ira très loin. Si on a pris Dieu pour te donner toi-même, tu as tout dit. C'est parce qu'on est prêt pour toi à mettre la poitrine pour libérer ce pays. Oh, oh, oh. Thank you.
n'as pas encore dit. Qu'est-ce que je m'as dit que tu n'as pas encore dit? La réalité est là. Quand nous on fait nos calculs, dans tout ce qui s'est passé dans notre pays, quand on calcule, on réfléchit. Que notre cheval gagnant, tu es obligé d'être au fond parce que nous on est derrière toi. Vous savez mon pays là, les gens ils feront tout, les gens ils diront tout. Tu sais c'est comme un match où on est arrivé à la finale. Tu dois savoir que l'arbitre il va mal siffler. Ils vont beaucoup nous attaquer, ils vont nous braquer en attaquant, ils vont nous jouer très mal. Les gens ils seront pas prêts, l'arbitre va siffler même où on voulait marquer un but. Mais tu dois retenir que la coupe là, on doit prendre ça. Vous savez mon père là, il faut je dis ce n'est pas pour rien, nous on t'a appelé Denis Banani. Tu connais ton histoire, toi-même tu te connais mieux, mais tu es prédestiné. Tu es prédestiné. Si elle dit ça, on ne peut pas quitter ici. Paye-la, c'est pour la jeunesse désormais. Soro qui va venir. Tu as un autre. C'est pour ça que je dis Bongo. Bongo. A Bongo. Pouvoir l'État. Bongo ta. Viens au hasard. Du bruit pour Soro qui va venir. C'est bon, tu vas dire. Dîner. Pardon, la réconciliation yes, et la paix. Yeah, allez, je vais aller en l'air, si les Ivoiriens sont là, s'il vous plaît. Vous sauvez mon pays là. Lui, le téléphone, s'il vous plaît. Vous sauvez. C'est même présenté que c'est lui qui était le rebelle. On a fourni sur lui, on a crié sur lui, on l'a même régné. Mais depuis un moment, l'enfant n'a le fait que se promener partout dans les rires de la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Le pays est devenu bizarre, ça n'allait plus. Mais pour l'égalité, on a besoin de priorité. Solo qui est ceci, il est cela, ma réalité. C'est le vrai, il faut rien, on le sait. Et vous aussi, vous le savez. Du coup, si vous le savez. Jenny Banani de Gota, yeah. Allez, allez, on le savait, on le savait, solo. Mes amis, vous le savez. La Sainte-Bible nous dit, pardonne-nous, aimons-nous les uns les autres. Vous-même savez, nous sommes dans le pays de la nature.